quasi certain, nous, que nous sommes passés à une première comme ça, avec tout. Vous avez choisi pendant un mois de prendre un peu du recul par rapport à la démission de Hakim Eddan, où je profite pour évidemment le remercier le travail qu'il a pu faire. Il a décidé de prendre du recul avec les raisons que vous connaissez, que je connaisse, la raison qu'il vous a donnée, en tout cas qu'il a donnée sur son intitulé à la FAF, à savoir la campagne haineuse qui s'est abattue contre lui durant toute cette année et qui l'a fatigué, peut-être l'année précédente aussi, parce que ça fait quand même 2 saisons qu'il travaille au sein de la fédération en tant que manager général, était peut-être de trop pour lui. Voilà ce qu'il vous a annoncé à vous, voilà ce qu'il m'a annoncé à moi, ni plus ni moins. Il est très très clair que nos relations avec monsieur, avec le président, sont, comme je vous l'ai dit, très simples, sans la moindre animosité. Les choses, quand elles vont pas, comme dans n'importe quelle association, entreprise, ne serait-ce que dans un foyer familial, des choses qui ne vont pas, elles sont dites clairement, que ce soit de ma part ou que ce soit de la part du président, et de manière directe. Donc, tout ce qui a pu être dit, c'est archi faux, il n'y a vraiment rien de truc, même, je vous dis, en déplaise à certains. Certains voudraient ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Le jour où ça ne me plaît pas, où j'ai un rapport, où j'ai un problème directement avec lui, déjà je le dirai, et je prendrai mes valises et je m'en vais. Ce n'est pas le cas.